sûr que c'est un baptême qui s'est bien passé. On avait un beau soleil, il y a du monde, des beaux invités, toute l'équipe, toute la famille qui est autour. Et puis forcément la présence d'Alain, sa simplicité, sa chaleur, et puis surtout le fait qu'il ait cassé la bouteille du premier coup font que c'est une très très belle journée. Ouais. C'est vraiment un grand événement, et puis surtout avant de casser la bouteille, c'est vrai que... On est tous, je pense, dans le sport individuel un petit peu superstitieux, plus ou moins. Donc, mais bon, ça s'est très bien passé. C'est le bateau avec lequel j'ai fait le dernier Vendée Globe et qui m'a ramené ici avant les autres il y a 3 ans et demi maintenant. Jérémy a beaucoup navigué avec moi dessus sur l'Istanbul Europa Race qu'on a gagné ensemble. On a trouvé quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que nous, avec le travail, le courage, la responsabilité. Et on est tombé très vite sur des valeurs communes qui nous ont permis de monter ensemble ce projet pour le prochain Vendée Globe. La prochaine bouteille qui éclatera quand on fera péter, c'est à l'arrivée. Je l'espère, on l'espère tous du fond du cœur pour Jérémy et pour Maître Coq.